Salut à tous, bienvenue aujourd'hui dans les Pays de la Loire. Je vous emmène bosser pour une nouvelle étape de notre Tour de France de l'agroalimentaire aux portes de Saumur en compagnie de Julien. Salut Julien. Salut Jerry. Tu vas bien? Ça va impeccable. Salut tout le monde. Alors on bosse chez Chaucer Foods. C'est ça. C'est quoi ton job ici? Alors moi mon job c'est conducteur de ligne. Et on fait quoi ici? On fabrique des fruits lyophilisés. Oh c'est bon ça. C'est excellent, tu vas voir. Ça va être une grande découverte pour moi. On y va? C'est parti, je te remets ta blouse. Ok, mon équipement. Et c'est parti. Et on va bosser. Alors Julien, qu'est-ce qu'on fabrique dans ton usine? Alors, on fabrique des fruits lyophilisés. Alors moi ici, je gère la ligne et on fabrique du citron vert en tranches. Et donc là, c'est la salle en sachage pour la ligne 16. C'est ce qu'on voit là. C'est ce qu'on voit là. C'est super léger. Hein. Ouais. Donc ça, c'est du citron vert. Ça, c'est du citron vert. On va recevoir la matière première. On va travailler le produit comme nous le demande le client en fait. On va faire des petits cubes, on va faire des tranches, on va les laisser en entier. Et après, hop, ça va passer dans un tunnel de lyophilisation. Et c'est là où on va déshydrater le produit, on va enlever... En chauffant quoi, c'est ça? En chauffant, en enlevant le vide avec du froid. C'est un mélange en fait, un mixte que les opérateurs... Mais on garde le meilleur quand même. Ouais, on garde que le meilleur là-dedans. On enlève juste l'eau, toutes les vitamines, tout le reste, il va rester dans le fruit quoi. D'accord. Donc ici, on travaille 24 heures sur 24. Ça s'arrête jamais? Ça s'arrête jamais. Ok. On est des fous. Moi, par exemple, je suis dans une équipe de 6-4. D'accord. Les 6-4, ça consiste à travailler 6 jours et avoir 4 jours de congé. J'ai travaillé 2 jours du matin, j'ai travaillé 2 jours d'après-midi et j'ai travaillé 2 jours de nuit. Toi, ça fait combien de temps que tu bosses ici? Moi, ça va faire 2 ans que je travaille ici. Et avant, t'as fait quoi? Avant, en fait, j'ai fait toute ma carrière dans la restauration pendant 20 ans. Et t'avais quoi comme diplôme à la base? Moi, je suis, j'ai fait un diplôme CAP bar brasserie. Ah oui, donc rien à voir quoi. Je voulais vraiment changer, travailler à mon rythme en fait. Qu'est-ce qui te plaît dans ce job? C'est surtout qu'on touche à tout. On peut aussi bien aller en prépa qu'aller au condi, venir en ligne 16. On peut bouger partout sur le site quoi. C'est ça aussi qu'on peut enlever sur les a priori de l'usine quoi. En disant j'y vais, j'arrive, je fais mes 8 heures de travail, j'étais méchant, bam bam tout le temps. Non, 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 ça, on peut changer, on peut bouger quoi. Et qu'est-ce qui te plaît chez Chaucer en particulier? Chez Chaucer Food, ouais, ça va être l'ambiance, l'esprit d'équipe aussi. Alors qu'est-ce qu'on a ici? Alors là, on a de l'orange en miettes. Oh là 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 là. Donc ça va partir pour le client. Ça sent super bon. Ouais. Hein. Et tout ça va être broyé pour devenir de la fine poudre. D'accord. Et donc c'est là, ça vient de l'être lyophilisé. Quoi, voilà, ça sort juste du tunnel de lyophilisation. Donc là, ouais. Hop, tu prends ton petit film, tu le tires, tac. Et c'est parti. Et c'est parti. Et après, tu le mets dans ton sac. Comme ça? Ouais, exactement. Tu tires un petit peu ton film. Et ça, après, ça va être fermé. Ouais. Et ça va repartir au conditionnement juste au-dessus. D'accord. Et mis en carton pour expédition chez le client. Et bon, et si moi, j'y connais rien du tout à l'agroalimentaire, tu crois que j'ai mes chances ici? Moi, j'y connaissais rien du tout quand je suis arrivé, quoi. Ouais. J'avais des bases dans la restauration sur, par exemple, les règles d'HACCP, les choses comme ça. C'est des règles d'hygiène, quoi. D'hygiène, quoi. Ouais. J'avais les bases. Mais après, voilà, je m'étais jamais servi d'un transpalette. Ici, tu viens avec ta bonne humeur et c'est bon, c'est parti. Quoi. Tu prends tes sachets comme ça, tu essaies toujours de les mettre dans le même sens. D'accord. Et hop, et après, tu les mets dans ton carton comme ça. Combien j'en mets? T'en mets 6 par carton. D'accord. Ok. Donc, il n'y a rien de compliqué. Quoi. Non. Et là, tu as juste une pédale pour appuyer. Et tic, tu as ton nouveau carton qui arrive. La pédale Wawa. La pédale Wawa. On est bien là? On est parfait là. Attends, faut qu'il fasse les cartons. Ah ouais, le robot il suit pas là. Il suit pas, c'est pour ça quoi. On est trop rapide. Alors là on arrive au bout de la chaîne. Ouais. Et après on va le mettre tranquillement sur notre palette. Avant on va bien vérifier que tout soit bien imprimé. Ça part à l'international. Exactement. Dans le monde entier. Dans le monde entier. Des citrons verts dans le cocktail. N'importe où t'arrives, tu fais geler citron de Julien et bim. T'as tes citrons. Alors les deux, ici on fait 95% de fruits et on va travailler avec un nouveau produit là qui s'appelle le brocoli. Les deux pour ici parce qu'on travaille 24 sur 24 et 365 jours par an. CDI, CDD et intérimaire, ici tout le monde est le bienvenu. Saumur Champigny est obligé quoi. Bon Julien, merci beaucoup pour la découverte de ton job vitaminé. C'est moi qui te remercie du coup de main, Jerry. Ça y est, je peux déguster? Vas-y, goûte, prends plein de vitamines. Waouh. Super tes fruits. Merci beaucoup. Et si vous aussi vous avez envie de venir bosser ici dans l'équipe de Julien, n'hésitez pas, postulez, il recrute. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous à une prochaine étape de notre Tour de France de l'agroalimentaire. Et n'oubliez pas Julien, likez et surtout abonnez-vous. Ah attends Jerry, j'ai un petit cadeau pour toi pour ton Tour de France de l'agro. Oh c'est super mignon, sympa comme tout. Bah, je penserai à toi sur la route.
Merci. À bientôt, Thierry. Salut. Salut.